Bonjour à tous, et eh ben voilà, nous voilà repartis pour une nouvelle session. Session Kaya Bushcraft. Ouais voilà, non ça va être bon délire encore. Hein. Là là il est 7h du soir. 6h30-7h du soir, le temps d'arriver. Enfin voilà, et là on va juste poser nos tarpes, etc. Se faire à manger et se faire plaisir après. Hein. Et puis voilà, vous verrez la suite. Hein. Là j'écris, c'est déjà chaud. Je vous fais voir les kayaks. Allez, regardez dans l'autre sens. Mais oui, c'est d'autres sensations. Le kaya bushcraft, c'est d'autres sensations. Contrairement à juste la rando bushcraft. J'aime la rando. Mais c'est vrai que là, t'as une impression d'aventure. Une sensation de liberté. C'est vraiment un bon délire, je vous le conseille. Faites les randos en kayak pour aller bivouaquer. Vous allez voir les sensations, les délires. Et c'est que du bonheur. Et que du bonheur. Allez, regardez le décor. Voilà, le décor. Il est planté. Regardez. C'est pas génial ça. Allez, je fais un petit zoom. Hop. Chris arrive au terrain, je vais dire au chantier. Ça se voit que lundi je reprends le travail. Hop là. Te revoilà chez toi, hein, Chris. Ah ouais, je regarde où je vais mettre mon hamac pour ce soir là. Ouais. Ah, ça me semble bien là. C'est pas mal, hein. Comme ça, je peux mettre mon tarp là-dessus. Tu vois, hein. Ah ouais. On va faire ça, hein. Ouais. On va faire ça. Bon, je mets un gilet. J'en ai pas besoin parce que je nage super bien, mais pareil qu'à mon âge, on peut avoir des crampes. On peut faire des conneries à 55 ans. Voilà. Puis bon, la sécurité avant tout, hein, il n'y a pas d'âge. Hein. Les gars, je vous dis, le bushcraft, ça conserve 55 ans. Voilà, je vais faire la grande gueule. Voilà. Pas de bite, tout va bien. Mon pote, c'est là même. Voilà. Vas-y. Alors là, on voit Chris, il avait mis un petit bout de bois de côté. On est revenu à nos premiers campements ce soir pour manger. On vous fera des images de notre pontage tarp sur l'autre zone où il y a moins de moustiques. Et là, donc, on va faire le feu, commencer à faire la bouffe. Et puis, avec un opinel, il va me tailler une fourchette. Voilà. Là, donc, en ce moment, il est dans les couverts. Donc, on le laisse faire. Ouais. C'est tout aménagère. Là, on verra bien après. Hein. C'est clair. Donc, là, je vais faire. Voilà. Donc, là, je dégrossis là, pour l'instant. Quand il dégrossit. Là, je dégrossis le manche. Là, il va avoir les dents par la suite. Là, j'ai préparé. Il faudra que je dégrossisse encore à l'opinel et tout ça. Et puis, par la suite, il y aura le couteau croche de chez Moura. Au moins, on pourra faire nos tasses, nos. Dis-moi, c'est quoi ton couteau, Chris, là ? Fais voir. C'est beau. Celui-là, c'est le Mula aborigène. Ah, le Mula aborigène. Magnifique. Il est super beau. Franchement, ah ouais, là, quand même. Il a un poids à l'avant de partout, il est vraiment agréable en main. Il est livré avec le Fire Steel, ouais, je suppose, ouais. Ouais. C'est un vrai bushcraft. Ouais, du coup, tu l'as comme ça. D'accord. Ah ouais, quand même. Tu vois, avec ah la ouais. corne. Ouais. Et du coup, il se rentre nickel. Hein. Ouais, je veux. Nickel. Ouais, il se rentre. Super. C'est une chaussette, hein. C'est, ouais, carrément. Pour ça, c'est bien. Carrément. Voilà, tu t'amuses, tu fais ça. Bon, bah voilà, il fait bien nuit déjà.
Il fait bien nuit, mon Chris. Bien, ouais. Bon, ben moi, je vais m'occuper du feu. Ok. Puis je Allez, ça vais te marche. laisser continuer à Voilà. tailler. Voilà. Wow, superbe. Oh, elle est magnifique, cette image. Et voilà. Wow, je te fais l'image, mon gars, de Elle fou, va quoi. être mortelle, cette fourchette, moi, je te le dis. Wow, Elle va si être tu mets ça mortelle. là, c'est grave, là. Faudra. Ça filme. C'est bon? Ah. Là, ça, ce qu'on voit pas. Et voilà, notre feu. Je rappelle au début comment je galérais. Et ouais, et maintenant. La petite gamelle, hein. Là, le petit. Hop. Hop, fait maison, hein. Hop. Et voilà. Bon contenant. Elle est chargée d'ailleurs. Et tout l'intérieur, tu peux voir, c'est vraiment de la bonne gamelle. C'est le sel. C'est une gamelle de folie. Elle est trop mortelle. Là, pour deux personnes, ça suffit large. Voilà. L'ancienne zone. Alors, du coup, ça. Bon, vous verrez pendant le jour, mais si ça se trouve, ce sera juste notre zone. Pour la journée, pour manger, etc. Parce que c'est quand même une belle zone. Et après, c'est au niveau moustique. Après, il y a trop de vent. Donc, on va faire un système. Mais ça se trouve, on va faire le couchage dans l'autre zone dont on a fait le chemin. Et vous avez vu les canoës et kayaks dans cette partie-là. Et là, ben, là, ce serait notre partie de vie avec tous les amis. On viendra ici. Là, tout le fond, on fera. Ben, les bancs, enfin, vous verrez par la suite, ça va évoluer, ça va grandir. Ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. Courage, force et honneur. Marche dans le noir, mais garde la lumière dans ton cœur. Les gars, j'ai vu une grosse bête là-bas. Hein. Et il y a un ravin. Voilà, ben, c'est tout bon, tout bien, tout beau. On fait chauffer l'eau et puis de la soupe, un peu des trucs comme ça, plein de conneries à manger. Moi j'ai l'aventurier est parti là-bas. Double lampe, il revient. Mais tu vas à droite de l'arbre. Après tu contournes, il y a une petite pierre avec une croix dessus. Tu vas tout droit. Après tu fais demi-tour. Tu reviens sur tes pas et tu vas tomber sur la branche qu'il te faut. Ah, un vieil arbre abattu. Ouais, il n'a pas été très loin. Hein. Franchement, il n'a pas été très J'ai loin. vu le pic de la mort là. Les pics de la mort. Ah bah dis donc. Et j'ai fait des pics à saucisse. Allez, fais-nous des pics à saucisse. Twing, twing, twing. Tring, tring, tring. Ma lampe. Eh ouais, on est obligé de faire des systèmes. J'ai coincé ma lampe dans une liane pour pouvoir avoir un peu de lumière sur la zone qui est ici. Donc tu as eu. Des nouilles chinoises avec la petite sauce qui va bien, c'est rapide. Faudra t'y mettre, Yannick. Tu sais pas ce que tu perds, franchement, c'est pas lourd, ça pèse rien. On est au coin du feu. Voilà. Après, il y a des plantes, mais bon, je les connais pas suffisamment. On prend une sortie pour ça, mec. Et voilà. Alors, c'est un grand moment. Chris, il va servir les nouilles chinoises. Donc, c'est tout un art. On voit la précision du geste, les gants pour pas se brûler. Voilà, super. Alors, lui, il a une méthode, il met l'eau chaude. Moi, je fais l'inverse, mais bon. Voilà, on passe à la deuxième gamelle.
Ah, elles sont belles les nouilles. Hein. Elles vont recevoir le bain divin. Et ça nous fait une bonne soupe en plus. Ah, génial, super. Une bonne soupe à boire. Voilà. Ça va faire du bien, ça va rafraîchir. J'ai un gros plan Et puis dessus. ça a trop de goût, quoi. C'est une tuerie. Hein. Voilà, hop, C'est une un petit peu tuerie. sur le feu. Ma super gamelle en émail. Voilà. D'émail. Super, Increvable. carrément. 5 euros à la brocante. Fais les brocantes, tu vas te trouver des produits. Bushcraft, tout ce que tu veux. Bah alors, pas cher. Hein. Pas cher. Pas cher et une tuerie. Et voilà quoi. Génial. Encore un Voilà. petit coin sur le feu. Ben, on va se mettre à table. Voilà. Et la reine de la soirée qu'on n'a pas vue, qui est là? Elle se cachait. Elle est là. Regardez-moi ça. Des petites bouteilles de vieux pape. Ce soir, c'est la teuf. On fête notre nouveau bivouac qu'on va faire à côté. Là, on a déjà monté nos tarpes. Voilà. On tourne. Ouais. Voilà. Belle braise. Elle est belle, hein, ta braise, hein. Franchement, là. Voilà, ça devrait bien chauffer. Hein. Alors j'hésite à le descendre plus. Oh merde. Toujours les bonnes vieilles techniques du caillou. Du caillou, mais pas vraiment caillou, quoi. Ouais. Moi, j'ai la technique du genou où je peux coincer ma pique avec mon genou. Voilà. Mais la différence, c'est que moi, il y a le feu, on se fait attaquer, je peux courir. Et la Chrissy est bloquée avec la merguez. Moi, je me sauve avec ta merguez. Voilà. Bon, ben, on va dans notre autre endroit pour. Bon, ben, pour retrouver nos hamacs, on va vous faire voir, mais on va déposer les sacs au niveau des hamacs et après on va aller au bord de rivière, se poser, tranquillou. Et voilà. Faire un passage. Avec les tarpes. C'est le tarp à Chris avec la Vous voyez, quand j'ai tente. accroché mon plat, là, les deux, là. Et ouais, c'est comme ça, c'est le mieux. Hein. Okay. Bon, ben voilà, bonjour les gars. Voilà, on a déjeuné, tranquille. Alors, on a fait un petit feu, café, soupe, tranquillou. Et puis ben là, on va se mettre au taf. Et puis on va donc déblayer notre zone là pour faire un deuxième camp ici. Voilà. Donc on est chaud bouillant. On y va. Voilà, Allez, ciao on est à tous. parti. Bon ben voici, ça c'est la zone qu'on va se nettoyer. Alors là, les arbres qui sont là derrière celui-ci, hein, les trois là-bas déjà ils vont nous servir pour faire les plateformes et celui-ci à faire le petit mur de bois aussi pour protéger. Donc là, c'est le début du grand nettoyage. Et voici la zone maintenant des bah, nettoyer. Voilà, on a tout dégagé. Là, au moins le sol il est bien propre, bien nickel. Pour tout ce qui est insectes, tout ça, il faut dégager toute la zone. Et voilà la zone comment elle est maintenant. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Et c'est comme ça. Alors donc là maintenant, on voit mieux l'histoire. Cet arbre-là, cet arbre-là, cet arbre-là vont correspondre pour faire nos plateformes au-dessus. Là, toute la zone qui est ici sera l'extérieur et là, ça va monter des murs à hauteur de taille, de part et d'autre en cercle. Et l'entrée, elle va se faire là. Bon, elle est déjà dégagée, on a remis des branches, mais ce sera par là. Là, maintenant, on peut commencer à travailler, faire les murs, les plateformes, tout ça. Voilà. Et là, bah, là, on va aller se rafraîchir, on va aller vers la rivière.
Fin de journée, voici le changement. Ah, il y a un léger changement quand même. Hein. On s'est fait bien plaisir. Hein. Alors j'ai passé par notre chemin. Voilà. Ça pète. Hein. Là, tout ça, ça va être rempli. Tout ça, tiens, on a commencé à bien faire le petit mur. Tout ça, on va le remplir après avec les petites branches, les fines branches. Après, ici, on fera probablement un four à pain avec de quoi faire le foyer. En pierre. En pierre. On a de la pierre là-bas. Ou en torchis, on verra bien. Et puis là, on va dégager cette zone, on pense pas le faire. Mais on va le faire, ça va nous faire un appentis. On pourra y mettre ce qu'on veut et voilà. Donc. Là, pareil. Là, on va remplir, on va laisser juste ce trou-là pour notre réserve de bois, qu'on fera un abri par la suite, et là, on va remplir. Et le chemin, vous voyez, il sera là. Et là, il n'y aura plus les tarpes, et on passera par là. Et là, c'est ben, la plateforme, elle est en train de se monter. C'est là, regarde, hop, hop, il y a déjà les premières. Il ne reste plus qu'à compléter. Et puis voilà, on va renforcer quelques endroits comme d'hab. Et puis voilà, le coin pour faire le feu, il est au top aussi. Trépied en main, bouffe dans l'estomac. Pourquoi pas? Bon, regarde la cuillère, la fourchette que je vais lui faire. Elle a. Elle avance, hein. Elle avance. Ça avance bien. Regarde ça. Alors ça y est, je l'ai fini. Regardez, je lui fais une vraiment spéciale. Regarde. Regarde. Hop. Hop. Tu vois, comme ça. Comme ça, mais avec petite finition. Regarde ça. Finition sur le manche, on va voir sa réaction. Allez, on y va. Ah, c'est ton génial. Cadeau. Elle est belle. Merci. C'est pour moi. Bah ouais. Génial. Je vois pas pourquoi. T'as vu la petite finition au manche et tout, stylé. Ça va me servir pour mes pâtes ce soir. Bah voilà. Pâtes suédoises. Ce soir, il pourra manger. Merci du cadeau, elle est belle. Stylé, hein. Personnalisé et tout. Ouais. Génial, ça me plaît bien. Elle est plus belle que les miennes que je me suis faites. Ah, je vais la garder celle-là. Bon, ben on va vous faire voir la suite tout à l'heure. Merci. Et le petit lézard. La choupipette. Il est 11h du soir, là on fait les dernières petites merguez avec cette pierre. Hop, je l'ai coincé au-dessus des braises, ça prend le temps. Et donc ouais, il y a pas mal de choses qu'on va faire par la suite, le four en pierre et torchis, enfin vous verrez. Ça va être sympa, ça va être pas mal la prochaine vidéo. Et là, ben voilà, ce soir du coup, on dormira pas sur la plateforme. Mais on va dormir comme l'autre soir. On va dormir là, dans nos hamacs, tout simplement. Et bah voilà, je vais dormir tout seul dans mon hamac. Hein. Petite pensée à toi, mon amour. Hein. Bah ouais. Mais bah, je te rejoins, t'inquiète, je te rejoins. Je te rejoins, j'arrive, mon cœur. Bon, allez, passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Et bien ça y est, c'est fini. Là on a remballé les tarpes, les hamacs, on a tout remballé, on a tout rangé.
ça y est, dans le kayak. Putain, hier j'ai repéré des grottes au loin. Il y a une énorme grotte, je crois qu'on peut vivre une famille entière. Par contre, juste au-dessus, genre peut-être 6-7 mètres au-dessus, tu as deux autres grottes bien profondes, bien creuses. Et en fait, c'est là où tu as des hiboux qui vivent. Alors putain, je suis resté surpris. Il y a un hibou qui est sorti d'un arbre. Énorme, franchement, c'est gros comme un chien presque. C'est une grosse boule, mais c'est une boule, le hibou. Tout blanc, ah, il était magnifique, mais il était énorme, c'est impressionnant. Franchement, je suis resté bête. Donc, j'essaierai par la suite d'aller dans ces grottes et avoir la chance, j'espère, de pouvoir filmer ce hibou qui est majestueux. Il est majestueux. Voilà, bon, bah là, on part de notre camp. C'est là où on descend. Tu vois, c'est bien bien discret, c'est bien cool. Bonne ambiance quoi. Alors on va prendre la route. Quel calme. Qu'est-ce que c'est agréable ce calme. Qu'est-ce que c'est agréable ce calme. Ça fait du bien. C'est pour ça, ça fait vraiment du bien de sortir des villes. Hein. Pour toutes ces raisons, ça fait du bien. Et bah ça fout un peu les boules de rentrer. C'est comme ça. C'est comme ça. Que vas-tu faire? Enfin, c'était une super session encore, un sacré bon week-end. Où on a vraiment kiffé quoi, et là tu te sens bien. Bon, enfin voilà, ben écoutez, à de prochaines aventures et merci encore à tous ceux qui regardent ma chaîne. Et voilà, c'est que du partage de plaisir, nature. Allez, à très bientôt et pensez à vous abonner, hein. C'est gratuit. Ciao. Et voilà. Tête de...